La ville de Garoua, précisément la commune d'arrondissement de Garoua 2e, va accueillir dans les prochains mois la CAN 2021. Elle se doit donc de montrer à ses hôtes un visage radieux, reluisant, étincelant et éblouissant. Et c'est pourquoi la commune s'est lancée dans un vaste chantier d'hygiène et d'embellissement de ses quartiers. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale d'hygiène, de salubrité et d'embellissement des villes camerounaises, initiée par la ministre de l'Habitat et du Développement urbain. À la manœuvre, le maire Oumarou Sanda. La commune de Garoua 2e est engagée, vous voyez, avec les infrastructures que l'État a mis dans la commune d'arrondissement de Garoua 2e. Et c'est la commune d'arrondissement de Garoua 2e, c'est une commune pilote. C'est la commune qui accueille la CAN 2022. Et c'est pour cela que c'est un travail que nous allons continuer à pérenniser. Nous n'allons pas arrêter. Après plusieurs semaines d'activité sur le terrain, voici venu le temps de la proclamation des résultats. Et c'est la salle des actes de la mairie de Garoua qui sert de cadre à la cérémonie de ce 26 août 2021. Vous allez avoir par vous-même les activités qui ont été menées par le maire, qui vraiment a pris cette activité au sérieux et savait que sa ville qui accueillait la CAN peut-être ne pouvait pas ne pas être déclarée la commune la plus forte. De la commune la plus forte de la région du Nord, et bien la commune de Garoua 2. Candidature de sa commune au niveau national. Voilà, photo de famille. Une victoire, celle d'une équipe dynamique, sérieuse et résolument engagée dans l'amélioration des conditions de vie des populations à la base, d'où le satisfecit de l'exécutif communal. Nous sommes arrivés à ce jour à la hauteur. Donc nous continuerons toujours de pérenniser l'embellissement et d'aller toujours de l'avant. Aujourd'hui, nous avons eu à gagner au niveau départemental et au niveau régional. Le slogan de Garoua 2e, tout de suite. Et nous le ferons, Inch'Allah, nous serons au niveau national premier aussi. Pour le délégué régional de l'habitat et du développement urbain, au-delà de l'assainissement et de l'embellissement, il s'agit surtout de créer une saine émulation entre les villes candidates. Nous qui sommes à l'étape 2 au niveau régional, nous avons d'abord attendu la sélection au niveau départemental. Donc il y a eu la compétition au niveau des 3 départements, que sont le Mayoré, la Benoué et le Mayo-Louti. La commune de Garoua 2e est d'abord sortie vainqueur au niveau du département de la Benoué. Maintenant, le jury régional mis sur pied par le gouverneur de la région du Nord a donc fait des descentes pour évaluer les 3 communes qui ont été déclarées vainqueurs au niveau de chaque département. Et la commune de Garoua 2e a donc tout naturellement, avec ce qu'ils ont eu à amener comme activité, campagne de sensibilisation, débroussaillage, ramassage des ordures, mais également tout ce qui est lié à l'embellissement des espaces verts, tout en menant également des actions de sensibilisation. Ils ont donc remporté cette étape régionale au niveau de la région du Nord. Maintenant, c'est elle qui va représenter la région du Nord au niveau national. Et nous pensons que s'ils continuent à maintenir cet état d'activité, ils ont leur chance pour remporter la compétition nationale. Cependant, des critères spécifiques ont joué en la faveur de la commune d'arrondissement de Garoua 2e. Nous avons fait des descentes dans les marchés, nous avons fait des descentes dans les établissements scolaires, nous avons fait des descentes dans les centres de santé et également des espaces verts, en analysant également les moyens mis en œuvre par ces communes-là. Existait-il des programmes d'assainissement? Quelle est la fréquence d'activités liées à l'assainissement menées par la commune? Et maintenant, quelle est également la sensibilisation menée par ces communes-là auprès de la population et même le pourcentage d'adhésion de ces populations-là à ces activités? Il faut dire déjà que l'objectif du concours n'est pas simplement de désigner la commune la plus propre, mais de permettre de pérenniser
en fait les activités dans le cadre du concours pour que ça se fasse tous les jours, pour que nos villes puissent être des villes avec des images reluisantes. Et nous sommes appelés à accueillir la CAN. Il ne faudrait pas que les étrangers viennent trouver du désordre un peu dans nos villes. Tout en félicitant l'esprit d'équipe qui a prévalu tout au long du processus, le représentant du gouverneur de la région du Nord mentionne que la commune de Garoua 2e est dès cet instant l'ambassadeur de la région du Nord. Il ne s'agira plus donc de dormir sur les lauriers, plutôt maintenir en permanence les activités d'hygiène et de salubrité déjà engagées.